Thank you.
Père, de faire en ce temps de garde pour toujours. Ascolta le ce que je suis fini, ma salle de mort, c'est si pour plus de l'un de son nom. Chir pour le parade, qui est le grand pour le temps, qui est le Sui Guru Bhakta Venda Kisai, toute gloire aux dévots assemblés, toute gloire à Sui Guru, Sui Guru. Huitième chant, chapitre 16, intitulé le vœu du Prayuvrata, et nous reprenons au verset 7. Si vous pouvez répéter après moi. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskrityam. Narayanam namaskrityam. Narayanam namaskrityam. Devim Sarasvati Vyasam. Devim Sarasvati Vyasam. Tatojayam Udhiraye. Tatojayam Udhiraye. Ashtaprayeshu Badreshu. Ashtaprayeshu Badreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhagavati Uttama Shloke. Bhakti Bhavati Naishtiki. Bhakti Bhavati Naishtiki. Griheshu, Griheshu, Yeshu. Atitayo, c'est pas la qui. Atitayo, Yeshu. Teshu, là c'est. Yeshu. Ici, Teshu, là, c'est pas ça. Nachita. Nachita. Sorry there. Api yadi niryanti te nunam peru raja grihopamaha griheshu yeshvatitayo narchita sarirer api Yadi niryanti te nunam Peruraja grihopamaha Griyeshu yejvatitayo Narchita sarirer api Yadi niryanti te nunam Peruraja grihopamaha Griheshu yeshvatitayo Narchita sarirer api Yadi niryanti te nunam Peruraja grihopamaha Griheshu yeshvatitayo Narchita sarirer api Yadi niryanti te nunam Peruraja grihopamaha Snasita sarirer api Yadi niryanti te nunam.
Ça va être en français, inéluctablement. So, if you want translation, you have to follow in the book, at least, authorize. Janava, tu peux traduire peut-être, pour ceux qui ne parlent pas français? Il y en a quelques-uns, il y en a trois là. Okay. Comme vous voulez. Donc, Griheshu, à la maison. Très bien. Non. Mais moi, je ne parle pas l'anglais. Non. Et puis, on est en France. C'est bien de parler, s'entraîner à parler français, d'écouter les classes en français. Enfin, voilà, c'est en plus, je dois être le seul à faire les classes en français. Et il y a 70, parfois 80 personnes qui le suivent sur YouTube, parce que c'est en français. Donc, il faut maintenir en français. This is a perfect comprehension. Yeah, this is a good understanding. Papa was saying that one time. I listened him from a conversation. It was a class. It was here in the temple. The class was running there on the tap. And one devotee said to Srila Prabhupada, there's some person who doesn't understand. The Prabhupada says, that's not a problem. Says, even if they don't understand, it would for them because the vibration is there and all the devotees are there. Ok, donc on reprend. Traduction mot à mot. Griheshu, à la maison. Yeshu, qui? Atithaya, des invités sans invitation ou à l'improviste. Na, ne pas. Archita, accueillir. Sarile, excusez-moi, sarile api, même en offrant un verre d'eau. Yadi, si. Niryanti, ils s'en vont. Te, une telle vie de famille. Nunam, en vérité. Peruraja, des chacals. Griha, les maisons. Upama, comme. Traduction étonnant et portée par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Les maisons que les invités quittent sans y avoir été reçus, ne serait-ce que par une offrande d'un peu d'eau, ressemble à ces trous dans les champs qui servent de tanière aux chacals. Teneur est portée. Dans les champs, il y a parfois des trous faits par des serpents ou des souris. Mais quand on y trouve de très grands trous, on peut supposer que ce sont des chacals qui vivent dedans. Personne, bien entendu, n'ira chercher asile dans de telles demeures. Les maisons où les atithis, les invités venus à l'improviste, ne sont pas convenablement reçus,
ressemble aux tanières des chacals. Traduction à nouveau. Les maisons que les invités quittent sans y avoir été reçus, ne serait-ce que par une offrande d'un peu d'eau, ressemblent à ces trous dans les champs qui servent de tanière aux chacals. Om Aganati Melandasya Ganam Jana Sarakaya Chaturun Meritam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutare Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Chta Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Radita Vishakam Vitamsha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansha Nagorange Radhe Vrindabhanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakarpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyahivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Donc, Atato Brahma Jigyasa. La vie humaine a pour objectif de comprendre d'où l'on vient, qui l'on est, où l'on va, hein, de s'enquérir spirituellement. Atato Brahma Jigyasa, de s'enquérir. La vie humaine a pour objectif et raison d'être de s'enquérir sur la vie spirituelle, sur la nature de l'être, la nature de Dieu et ce qui les relie, l'un et l'autre. Donc on voit dans la circonstance qui nous concerne aujourd'hui, dans ce chapitre du Srimad Bhagavatam, Kashyapa Muni qui revient d'une méditation profonde, c'est les mots qui sont employés. Donc on imagine que ça a dû durer un certain temps, à l'époque, ça a duré longtemps. Et donc après un certain temps, il revient dans son griha, qui à ses yeux, et c'est les mots qui sont utilisés aujourd'hui, ou hier déjà, gri et chou. C'est-à-dire la maison. Et dans le verset précédent, c'était exprimé sous la forme de Griha Medini, qui signifie celle qui est satisfaite par une vie de famille axée sur la satisfaction des sens. Et ça, c'est le Griha qui devient Griha Medini. Donc il constate ça, Kashyapa Muni, qui lui vient d'un autre, continuum espace-temps, comme on dit. Comment on dit ça en anglais? C'est-à-dire d'une profonde méditation qui très certainement l'a mis dans cette conscience spirituelle, dans une conscience spirituelle, a priori dans la conscience de Krishna. C'est un dévot de Krishna. Il va le démontrer à travers les versets qui vont suivre. Et pour lui, c'est un grand contraste. On va voir à travers les versets qui vont suivre, et on voit déjà
qui est exprimé, ce qui est exprimé, c'est l'état de conscience de Aditi. Et par sa prédication, ensuite, on va voir l'état de conscience de Kashyapa Muni. Mais dans les premiers versets qui nous concernent, on est dans les premiers versets, là, 7e verset, 6e verset. Pour Kashyapa Muni, c'est un contraste important et on, c'est manifeste parce que tout de suite, il sent cela, il le ressent. Et c'est manifesté à travers les versets. Et on ne parle pas de lui en, comme quelqu'un qui est qui ressent ce contraste. Mais on peut le voir et on peut le comprendre aussi par les mots qui tout de suite viennent. Pour par exemple le verset du jour, c'est vraiment voilà, c'est. Mais en fait voilà, il arrive dans sa maison et constate l'état de délabrement spirituel. C'est pas le délabrement matériel, mais de délabrement spirituel. Il le constate et il voit qu'il règne l'amorosité, la tristesse. Sa femme est maussade. Et pour lui qui est dans la connaissance spirituelle, tout de suite il analyse d'une façon spirituelle la situation. Il ne va pas analyser autrement. Et tout de suite il s'enquiert et essaie de comprendre pourquoi une telle situation. Pourquoi sa femme, son épouse, est affectée de cette manière, dans cet état de morosité. Et il fait un inventaire, il commence, on voit le verset de notre, qui nous concerne aujourd'hui, il fait un inventaire de ce qui a pu se produire, qui fait que son épouse est affectée de cette manière par l'illusion. Ensuite, il va poser des questions. Enfin, déjà, il est dans le questionnement. En fait, ça, c'est une question. Il demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les invités n'ont pas été bien reçus? Ensuite, il va demander si sa femme a été chaste. Il va demander est-ce que les offrandes ont été faites au Brahmana? Et ainsi de suite. Il va demander un certain nombre de choses. Il fait un inventaire de possibilités. Ce n'est pas qu'il vérifie s'il y a un trou dans la cheminée ou si le poêle a bien fonctionné. S'il y a suffisamment de nourriture et ainsi de suite. Non, et d'abord il vérifie c'est quoi le problème spirituel. Parce que le reste va être affecté par ça. En fait, ce qui est important de comprendre dans ça, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la conscience affecte notre quotidien. Et inversement proportionnel, lorsqu'on est trop dans l'extérieur, lorsqu'on est trop dans l'externe, c'est-à-dire les sens, le mental, l'intelligence matérielle, c'est-à-dire dans le service du corps, l'externe, l'âme, c'est le moi interne, et puis il y a le moi externe, hein, celui qui relationne avec le monde matériel, qui lui est externe. On parle d'ailleurs d'énergie externe. Et quand on parle de l'âme, on parle d'énergie interne. Parce que l'âme, elle est intérieure, et le corps, il relationne avec l'extérieur, l'énergie externe. Et l'énergie externe, lorsqu'on est trop dans l'énergie externe, l'énergie de l'illusion, en fait, l'énergie de Maya, cette énergie qui est certes divine, mais néanmoins matérielle, lorsqu'on relationne avec elle, avec l'extérieur, avec les sens et le mental, on est dans cette énergie externe, et cette énergie externe affecte la conscience. Et elle l'affecte de telle manière que je m'identifie à cette illusion qui devient, de ce fait, la réalité. Étant dans cette réalité virtuelle, peut-être non existante vraiment, je m'investis avec le corps, le mental et les sens dans ce monde matériel. Et plus je m'investis dans ce monde matériel, plus je consomme de cette énergie matérielle, et plus je suis dans l'illusion, et moins je suis
conscient de l'âme, c'est-à-dire de moi. Donc voilà, dans un sens, l'énergie immatérielle affecte notre conscience en recouvrant cette conscience d'une illusion. D'où le processus dans lequel on s'engage, c'est-à-dire de ne plus relationner en fait. En fait, l'idée c'est ça, mais indirectement, on le fait indirectement en devenant conscient de Krishna, en mettant Krishna dans notre quotidien le plus possible par tous les moyens, en engageant nos sens, notre mental, notre intelligence et tout notre corps et nos paroles et nos actes dans la conscience de Krishna. On ne consomme plus du monde matériel, hein, parce qu'on spiritualise le monde. Le dévot, il spiritualise l'énergie. Il la remet en connexion avec le Seigneur et elle redevient spirituelle. Ce livre-là, c'est un amalgame d'éléments chimiques. Hein, le livre est un amalgame d'éléments chimiques. C'est une création matérielle. Hein, c'est de la matière. Mais parce que il loue les gloires du Seigneur, parce qu'on l'utilise pour louer les gloires du Seigneur, et parce qu'il est totalement à 100% au service de Krishna, il n'est pas matériel, il est devenu spirituel. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la conscience de Krishna, pour lui, tout est matière, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune autre réalité que la matière. Mais pour celui qui est dans ce processus de devenir conscient de Krishna, même novice peut, dès à présent, même encore novice, remettre en union avec le Seigneur tout élément qui, au départ, était séparé de lui, c'est-à-dire matériel. C'est intéressant, j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans le Srimad Bhagavatam, je crois que c'était le premier chant, je ne sais plus très bien quel endroit, il n'y a pas très longtemps, en faisant une recherche, je lisais, je l'ai pris note d'ailleurs, Srila Prabhupada explique, d'ailleurs on en avait parlé, je me demande si je ne l'ai pas encore sous une note, Srila Prabhupada explique qu'à tout moment, Krishna, dans le cœur, peut transformer l'énergie matérielle en énergie spirituelle et inversement proportionnelle. À tout moment, il est capable de faire ça, il peut le faire, et il le fera en fonction, il fera ça en fonction de notre conscience, en fonction de nos désirs, en fonction de nos aspirations, en fonction de notre état de conscience, en fonction de cela. Si on veut, en fait, c'est le Seigneur Krishna, Dieu, la personne suprême, qui est maître de ces énergies. Et il en fait ce qu'il en veut, il jongle avec, et à tout moment, parce que c'est ses énergies. Et lui, il est l'énergétique, celui qui produit l'énergie. Donc à tout moment, il peut jouer sur ses énergies. Et c'est de cette manière, on peut côtoyer, particulièrement pour un spiritualiste qui est dans cette démarche de vouloir purifier son existence pour prendre conscience de Krishna. Krishna va jouer au bon sens du terme, c'est pas qu'il joue avec l'âme, pas du tout, il plaisante pas du tout Krishna, il est très sérieux, très grave, ça l'inquiète beaucoup d'ailleurs de voir toutes ces âmes perdues dans le monde. Donc c'est pas qu'il joue, mais il va manipuler, on va dire plutôt que jouer, manipuler ses énergies pour amener la personne graduellement à prendre conscience de lui. Et c'est intéressant de noter que par défaut, même si quelqu'un n'est pas dans cette démarche spirituelle, même si quelqu'un n'est pas dans la démarche spirituelle, c'est-à-dire qu'il utilise son temps à creuser la question, à essayer de comprendre et ensuite à purifier son existence pour prendre conscience de Krishna, même si ça, c'est pas là, la vie est faite de sorte que la personne va prendre leçon néanmoins. Même quelqu'un qui est dans l'illusion, c'est-à-dire qui est identifié au corps et qui, dans ce corps, consomme de l'illusion, consomme ce monde matériel et vit des plaisirs du monde,
il va, par sa transition, hein, c'est-à-dire la naissance, la jeunesse, l'adolescence, voilà, l'adulte, la vieillesse, toute cette transition va néanmoins l'amener à un quelque peu de sagesse, un petit peu de prise de conscience, même s'il n'est pas, parce que les choses sont faites pour cela. La vie humaine est faite pour tapasya, et ce tapasya a produit des résultats, produit des réflexions, produit une analyse. C'est naturel et normal. Alors après, il ne frappe pas forcément à la bonne porte pour avoir des réponses à leurs questions. Parfois, il s'adresse à des philosophes matérialistes ou à des gens qui ont de la connaissance, des scientifiques qui ont de la connaissance. Maintenant, dans la science, il y a des philosophes. Il y a de la philosophie scientifique. C'est intéressant, c'est une évolution intéressante. Il y a de la philosophie dans les sciences maintenant. Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'ils pataugent parfois. Ils ont tellement de données qu'ils ont du mal parfois à gérer toutes ces données d'une façon cohérente, qui soit en accord avec leur intellect, en capacité de la comprendre. Et parfois aussi, les données qu'ils ont sont tellement bouleversantes parce que c'est des nouvelles données qui remettent en question profondément toute leur analyse depuis des dizaines d'années, qu'ils sont très bouleversés et découragés même parfois parce qu'il faut recommencer à partir de ces nouvelles données. Et c'est régulier. Un tout petit exemple dans lequel je n'approfondirai pas parce que en profondeur, ça me dépasse complètement. Mais par exemple, on parle dans ces milieux désormais de la matière noire. Hein, d'abord, ils ont découvert les trous noirs. Et maintenant, il y a un espace qu'ils ont découvert, non pas en le voyant, mais en concluant les effets. En voyant les effets qu'a cette matière noire sur différents éléments, l'espace, le cosmos, ils en déduisent qu'elle existe, mais ne la voient pas. C'est pour ça qu'ils l'appellent noire, parce qu'elle est invisible en fait. Ça ne se voit pas. Et ça remet en question toutes les théories sur la création. Et ça, c'est l'actualité. Parce que déjà, ils ne peuvent pas le voir, donc ils ne peuvent pas. Ils en voient quelques effets, donc ils en analysent les effets, ils essaient d'en analyser le plus possible les effets. Mais c'est juste les effets. C'est pas. Et ça représente une grande, énorme partie de la création. Énorme partie. Donc voilà, les scientifiques. Mais néanmoins, ils en restent les leaders, presque de la moralité en ce moment. Il reste les leaders. Qui on va voir quand on a des questions? Les scientifiques. Jamais on va voir les spiritualistes. Jamais. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, en fait, les vrais spiritualistes. Ils connaissent les religieux, connaissent la religion, et ça les déçoit beaucoup. Ça les a beaucoup déçus. Beaucoup déçus. La religion a beaucoup déçu. Vous savez, je vais donner un chiffre intéressant. Et en 1980, en France, 70% sur la totalité des gens qu'ils avaient interrogés, un échantillon assez important, 70% des personnes disaient qu'ils étaient catholiques. 40 ans plus tard, en 2020, il reste 30%. Ça ne fait pas beaucoup. Et un autre chiffre intéressant... 20% des personnes qui se disent catholiques ne croient pas en Dieu, ne croient pas en Dieu. C'est assez fort quand même. Vous savez pourquoi? En Inde, ça existe aussi d'ailleurs.
Parce que c'est des personnes qui ont une culture, la culture de la famille, et qui suivent par principe la culture, mais qui n'en comprennent pas le sens. Et quand vous leur, en Inde, ça se produit aussi avec les hindous, on va dire, pour, bien que ça n'existe pas vraiment, les hindous, mais bon, on va dire pour donner une idée, quoi. Ils sont dans cette tradition qui se transmet de père en fils, mais ils sont tellement loin de l'origine et qu'ils n'en comprennent pas le sens et ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils font ça, ils ne savent pas pourquoi. Ils font certains yagyas, ils font certains samskars, mais ils ne savent plus pourquoi. On leur demande, c'est pourquoi vous ? Parce que mon père le faisait et que je suis cette tradition. Voilà, donc on se retrouve avec en France particulièrement, parce que là c'est très clair et manifeste, 20% de la population des gens qui sont catholiques, qui se disent catholiques, ça veut dire ils vont à l'église pour le mariage, ils vont à l'église pour baptiser, ils vont peut-être probablement, quand ils vont quitter ce monde, être enterrés dans un cimetière avec une croix au-dessus de leur cercueil, mais ils ne croient pas en Dieu. Ça, c'est les pires, dans un sens. Parce qu'il y a les athées, bon, cela, c'est une autre philosophie, puis après, il y a les agnostiques. Et en fait, dans les agnostiques, il y en a beaucoup qui croient en Dieu. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Et ils imaginent l'énergie, ceci, cela. Ils supposent, ils pensent que... Mais ils n'approchent personne, parce que pour eux, tout le monde est incompétent, ou souillé, ou dans des affaires, ou... Ils préfèrent pas trop aborder les religieux qui sont dans le dogme ou qui sont pas très inspirants ou qui sont très religieux, un peu trop religieux. Alors il y a des agnostiques et de plus en plus qui se disent pas religieux, qui adhèrent à aucune école spirituelle ou religieuse, mais qui croient en Dieu. Donc on a du travail, hein. On a beaucoup, il faut distribuer des livres à ces gens-là. Les livres de Prabhupada. Et pour eux, Dieu, c'est... Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Très souvent, c'est les énergies. Une énergie. Parce qu'ils voient qu'il y a des petites choses qui se passent. Ils voient la nature. Ils sont vertueux, parfois. Hein. On voit dans les gens qui sont... ils deviennent végétariens. Ils sont très soucieux de la planète, d'une bonne moralité. Donc, ils sont dans une certaine vertu qui fait qu'ils ont une purification, petite purification qui les fait découvrir le monde. Voilà, ils se posent des questions sur la création et ils voient des choses qui sont assez touchantes dans la création. Et ils se disent, c'est les énergies. L'énergie. Donc, pour revenir à notre point, donc voilà, Kashyapa Muni, lui, il est en pleine forme spirituellement, et il rentre chez lui et voit ce désastre spirituel chez lui, et il s'inquiète et se demande, fait un inventaire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a été fait ou mal fait ou pas fait, et graduellement, il va, après que sa femme ait fait aussi, elle, un état des lieux de sa situation, avec beaucoup d'ailleurs de vertus, très vertueuses, hein, beaucoup de respect pour son mari, qui a aussi une certaine connaissance néanmoins, mais qui finalement souffre de la séparation de ses enfants, de ses fils, les Devas, hein, mère des Devas, Aditi, qui sont tous été virés par les Asuras, qui sont partis sous les conseils de Brihaspati, quelque part, qui sont devenus invisibles, en fait. Et elle souffre de cette séparation. Et à ce moment-là, Kashyapa Muni, qui a compris plus le cœur du problème, il avait déjà compris certainement le problème, mais pas le cœur, où était le hic, et sa femme s'exprimant, il a découvert où était le nœud du problème, et va commencer à lui prêcher, à lui expliquer la Bhagavad Gita finalement, c'est-à-dire on n'est pas ce corps. Voilà, on en revient au point de départ,
Le problème, il est extrêmement lié à ce phénomène, c'est l'identification au corps qu'on nourrit seconde après seconde en consommant, on vient de le voir au début de cette élocution, en consommant du monde. Plus on nourrit, plus on fait d'expériences avec les sens, et plus on nourrit cette conception corporelle de l'existence. C'est pour ça, dans Bhakti Yoga, il y a yoga. Il n'y a pas que Bhakti. C'est-à-dire, yoga, ça veut, sous, il n'y a pas de yoga sans contrôle des sens et du mental. Et donc, il va être nécessaire de contrôler ses sens et ce mental. Et la Bhagavad Gita, chez Krishna, Dieu la personne suprême, nous explique, dans la Bhagavad Gita en l'occurrence, mais aussi dans différents autres écrits, par exemple, l'Upadeshamrita, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, il explique aussi comment arriver à ça. Mais c'est une nécessité. C'est une nécessité. On peut pas nourrir un ennemi constamment et copieusement et allègrement, et dès qu'il a besoin, on le nourrit, et penser qu'il va s'affaiblir. Ce n'est pas possible. Si vous nourrissez bien quelqu'un, qui qu'il soit d'ailleurs, soit un animal ou un bébé, un petit enfant qui naît, on le nourrit bien et correctement, judicieusement, en vérifiant qu'il ait bien tous les aliments, tous les nutriments, la vitamine, les sels minéraux, hein, tout ça, eh bien il va croître correctement et rapidement. Il va être en bonne santé. Il va croître, et apprendre. Son corps va se développer et sa force va se développer, et ainsi de suite. Donc, de la même manière, plus on va nourrir cette conception corporelle de l'existence en consommant du monde à travers les sens et le mental, et plus on va être sous cette énergie et conquis par elle et dominé par elle, et dominé aussi évidemment par les sens et le mental. Et plus on alimente ça, et moins on est en capacité de percevoir l'énergie spirituelle et d'être en communion avec elle, parce que séparé d'elle de plus en plus par cette conception. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est subtil, c'est pas du tout grossier, c'est subtil, c'est très subtil. Et c'est très puissant, très puissant. Le mental est extrêmement puissant, particulièrement quand il est en bonne santé, quand il est bien nourri, il devient... Et le contrôler, même il arrive un moment où même si on change d'avis ou qu'on pense que finalement je vais, par exemple en faisant certaines ascèses, tiens je veux maigrir donc je vais contrôler mon mental, et ça veut dire je vais contrôler ma langue, bonne chance. Quand lui il est bien, bien costaud, on va tenir quelques jours, mais en fait lui, pendant ces quelques jours, il s'impatiente du jour où ça va s'arrêter. Et ce jour-là, c'est comme un élastique qu'on tire. Le jour où on le lâche, il revient à sa position à une vitesse folle. Donc il faut le gérer. Il faut apprendre à le gérer. Il faut l'éduquer. Il faut pas le contraindre. Il faut l'éduquer graduellement par un processus approprié. Et ce processus, c'est la conscience de Krishna. Il n'est pas question de privé de plaisir. Il faut juste avoir des plaisirs spirituels. C'est pas qu'on n'est pas fait pour être malheureux. On n'est pas fait pour souffrir dans la morosité. On est fait intrinsèquement pour être heureux. Donc c'est pas qu'il faut pas de plaisir, mais il faut que les plaisirs soient spirituels. Parce que seuls ces plaisirs-là touchent l'âme et satisfont l'âme et sont de nature éternelle. C'est pas qu'ils n'ont pas de début et de fin, en fait.
Ce qui me semble qu'il y ait un début et une fin, c'est mes changements de conscience. C'est-à-dire que je vais switcher, parce que je suis entre les deux encore. Je suis un coup l'un, un coup l'autre, ou pas encore déterminé, ou pas encore établi dans la conscience de Krishna. Nishta, hein, parce que ruchi, c'est rare, parce que le goût est très rare. Mais on peut faire quelques expériences heureuses néanmoins dans ce mouvement, hein, dans la conscience de Krishna, à travers le chant des saints noms, à travers japa, kirtan, sankirtan, à travers l'étude des écritures, par la compagnie des dévots, le maître spirituel, diverses manières de faire des expériences heureuses qui, elles, viennent nourrir ce ruchi. On fait des expériences, à travers ces expériences, on expérimente le goût supérieur. Et c'est ce goût supérieur qui nous permet de dire non au goût inférieur. Sinon, pendant combien de temps on va tenir ? On n'est pas fait pour être dans l'abstinence totale et constante. Où on meurt, on devient une pierre, on devient insensible. Et alors là, c'est pire que tout. C'est le pire. Devenir insensible, impersonnel, intouchable par quoi que ce soit, ça c'est le pire. Parce que Krishna, il n'est pas comme ça du tout, il est tout à fait le contraire. Krishna est extrêmement doux, humble et producteur d'émotions spirituelles. Produit dans le cœur du dévot constante émotion. On le voit dans les âmes réalisées comme Chaitanya Mahaprabhu, dans son rôle de dévot, hein, constamment, quand il est régulièrement et de plus en plus dans sa conscience intérieure, de moins en moins à l'extérieur, de plus en plus dans cette conscience de Krishna. Il a une vie intense émotionnellement, c'est intense au point tel que le corps en souffre énormément. Et tous ceux qui s'inscrivent dans cette démarche, marchant dans les traces des grands Vaishnavas, vont faire ces expériences-là, naturellement, le temps venu, quand ce sera nécessaire et quand ils sont qualifiés pour pouvoir vivre ça. Et ça, c'est le monde spirituel. Et c'est pas un monde. Le monde spirituel, c'est un monde gratifiant. C'est pas un monde austère, vide de tout sentiment. C'est faux. Ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est le monde matériel, en fait. Dans le monde matériel, il n'y a pas ça. C'est tout un début et une fin. Et plus on fait d'expériences sensorielles, et plus c'est difficile d'en faire des nouvelles. Plus quelqu'un consomme de l'étonnement et moins il s'étonne. Et ça devient sec, ça devient aride, sec. Et ils finissent dans la folie ou dans le suicide. Parce qu'il n'y a plus rien à consommer, ils ont tout consommé. Il n'y a plus rien qui les étonne, il n'y a plus rien qui les fait vibrer. Rien ne les émerveille. Ça, c'est le monde matériel. Mais dans le monde spirituel, c'est émerveillement après émerveillement, c'est émerveillement sur émerveillement, ça se chevauche et ça se... c'est passionnant, le monde spirituel est passionnant, pas le monde matériel. Ok, on va s'arrêter là, 9h05. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ? Super, tout va bien. On est sur la bonne voie. Avec les bonnes personnes, faisant les bonnes choses, au bon endroit, avec les bonnes compagnies. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Hare Krishna. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton austérité.